Salut les amis, c'est Mamax, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va se poser une nouvelle question aujourd'hui, comme d'habitude, vous le savez. Et j'aimerais un peu rejoindre la question que... Enfin, l'avis que j'ai fait hier, et te poser la question à ce que tu es, on va dire, décideur de ta propre vie. Voilà, donc à ce que tu décides de tes propres choix toi-même, ou alors, on choisit pour toi, voilà. Tu es maître de ta vie, oui ou non. Pour certaines personnes, oui, il y a des personnes qui sont maîtres de ta vie. Je parle notamment pour ceux qui sont plus jeunes. Et ben, tu peux pas encore décider tout seul, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui est derrière toi. Mais pour les personnes, voilà, qui sont déjà assez grands, assez matures, déjà engagés, à ce que tu prends tes décisions toi-même. Ou alors on t'impose tes propres décisions. Donc moi je pense que tout le monde a le choix. Je sais qu'il y a certaines personnes, donc j'ai pu en parler avec certains de mes abonnés, qui pensent ne pas avoir le choix. Et ben je te le dis clairement, oui, tu as le choix. Tu as toujours le choix. Comme je l'ai dit dans une minute du jour précédemment, tu as toujours le choix de faire A ou B. Et après, c'est à toi de choisir si tu veux faire A plus ou A moins. Parce que tu auras toujours le choix. Toujours, toujours le choix. Donc, construis ta propre vie. La question, en fait, je pense qu'on peut la résumer à ça, c'est est-ce que tu construis ta propre vie? Parce que y a une personne qui peut la construire pour toi. Mais moi, je te pose la question, justement, est-ce qu'on te la construit parce que tu es trop jeune? Si tu es trop vieux, t'as 35 balais, tu es encore chez tes parents. Là, clairement, je sais pas, je pense que c'est encore tes parents qui construisent ta propre vie. Moi, je te pose la question pour que tu puisses te poser justement cette question, te remettre un petit peu en question. Est-ce que tu construis ta propre vie ou alors on te la construit pour toi? Là, moi, j'essaye de construire ma propre vie. Je suis encore chez mes parents, donc j'ai rien contre justement les personnes qui sont encore chez leurs parents. Mais à un moment donné, il va bien falloir que je quitte le cocon familial. Mais si tu quittes justement le nid familial et que tu as rien construit de tes propres mains, au final tu vas sauter dans le vide. Donc voilà, construis ta propre vie, construis ta propre ligne, construis ta propre destinée. C'est justement le conseil que je te propose dans cette minute du jour. Donc voilà, écoute, on se dit à demain, donc dans une prochaine minute du jour. Passez une très très bonne journée. Ciao ciao.